super chargeur, vous en avez pensé quoi? C'était bien. C'était bien? Il est bien? Ouais. Il est mieux que d'habitude ou pareil? Pareil. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien? La piscine creusée. La piscine, elle était cool, ouais. Il y avait des signes, ok. Le cadre est sympa, alors. Bien voilà, nous avons une vraie expérience de recharge premium à ce superchargeur de Sainte. La possibilité de prendre un café, de dormir si on veut. C'est sécurisé, le cadre est magnifique. Voilà, c'est vraiment chouette. On n'est pas en insécurité quand on charge la nuit ici. Vraiment une très bonne expérience de charge dont le patron de Volkswagen est envieux. Allez, c'est parti, on continue la route. Superchargeur des Herbiers en Vendée. C'est un superchargeur qui est récent, c'est un V3, donc plus puissant en termes de capacité de charge. On est sur une charge à 250 kW. Ça permet de récupérer en 5 minutes 120 km. Et là, ambiance différente des Saintes. On est dans un environnement d'une zone commerciale et industrielle. L'hôtellerie est un petit peu différente, vous voyez, c'est un B&B. Ce n'est plus les mêmes prestations. Alors pourquoi? Ça s'explique par le fait que maintenant Tesla est une marque qui se démocratise, qui devient accessible, et donc les commodités qu'il y a autour le sont également. J'ai loué une chambre d'hôtel ici au nouveau hôtel. Je vais vous montrer comment est la chambre. On va faire une petite room inspection. Super chargeur, ce super chargeur de Poitiers. Espace sécurisé comme d'habitude, par caméra, vous le voyez peut-être ici. Très bien, on va continuer notre route et je vais vous amener notamment sur une borne Ionity et vous allez voir la différence. Ça vous aidera peut-être à faire votre choix entre un véhicule Tesla ou un véhicule d'une autre marque. Nous sommes au superchargeur de Brive-la-Gaillarde sur le parking d'un hôtel Mercure. Donc nous avons les anciennes bornes de charge V2 qui sont là. Donc on en a ici un modèle X qui charge. Et je viens de voir qu'il y avait une nouveauté, c'est-à-dire qu'ils commencent à installer des bornes V3 juste derrière. Et ça en fait un paquet. Au final, il y a 20 bornes de recharge Tesla. Et là, on voit que c'est, vous voyez, il n'y a qu'un seul câble et la poignée est un petit peu différente. C'est bien un superchargeur V3 qu'on a ici. Regardez le nombre de bornes. Donc voilà, là, il y a trois armoires électriques. Chacune fait 1 MW sur les V3. Je suis en train de charger à la borne Ionity proche de Montauban et comme vous pouvez le voir ici, on est au cœur d'une zone industrielle. Il n'y a absolument rien, mais alors rien du tout pour aller au WC, rien pour prendre un café. On est au milieu de nulle part. Voilà, les toilettes, je vais vous montrer, elles sont là, voilà, dans le bouche. Les toilettes sont dans le bouche. Alors, réseau Ionity
ou superchargeur Tesla, choisis ton camp camarade. Pour ma part, j'ai choisi bien sûr les superchargeurs et je ne regrette pas mon choix. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera peut-être à faire également votre choix. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à mes 50 filleuls qui ont utilisé mon lien de parrainage. C'est grâce à eux si j'ai pu faire un road trip sur les superchargeurs Tesla cet été. Ciao, ciao.